Bien, c'est à reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. CC Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Youssouf Touré. La défense a la parole. Merci, Monsieur le Président. Je disais, Monsieur Youssouf Touré, joli, que vous avez eu à faire des déclarations qui recoupent exactement avec celles faites par Claude Puvy en ce qui concerne sa volonté visant à faire arrêter M. Aboubacar Toumba et l'opposition, la réticence du président, alors face à cette volonté. J'y vais. Oui, oui. C'est la question? Oui. Bon, je voulais que vous lui dites ça d'abord. Expliquez-lui, traduisez ce qu'il a dit. Anara, il m'a enseigné une rime à Saint-Ribé. Il m'a enseigné, puis il m'a enseigné faire une affaire à Saint-Zemphalati. En Ouama, Nyanyen Hanna Beha Tumbasuru, afin que son président d'Addis Nafin de carrière tagi. Anaka, il n'a pas parlé à nous à B, Falanar Narim Barrebo. Et vous me permettrez donc, pour matérialiser ce que je viens de dire, et en vous donnant lecture du procès verbal dressé sur commission rogatoire par la gendarmerie. Et le matin, il y a un procès verbal à la gendarmerie. Voilà. Claude Puvy a dit ceci. Claude Puvy, et c'était à la page 4. Dans sa chambre à coucher, où j'ai trouvé le colonel Korka, ancien ministre du colonel commerce, et le commandant Mandiou Djoubaté, directeur du bureau de la presse de la présidence d'alors, devant tout ceci, je lui ai exprimé mon désir d'arrêter Toumba et ses complices pour leur implication dans la stratégie, dans la tragédie, disons, du 28 septembre. Et Fekou, Kanari Nahanabari, 28 septembre, Yatunayam. Entre autres, lieutenant Marcel. Marcel. Dans de ses propos, le président n'a pas voulu entendre mes intentions. Anara, na Fekou, président Moutin, Kouira Soudi.
bien au contraire, il persistait à dire que Toumba était parti au stade pour protéger les leaders. Ah non, là, voilà, Toumba était un leader, il n'a pas de stade. Est-ce que vous avez bien compris cela? Est-ce que vous avez bien compris cela? Oui, oui, j'ai bien compris. Oui, j'ai bien compris. Et le même Pivi dit dans le même procès verbal. Et à la même page, presque à la fin, il finit, il dit ceci, sur de ce qui est de la présence de Toumba au stade, je ne sais pas si c'est le président qui l'a envoyé ou pas, seulement je réitère, selon les dires du président, que Toumba serait parti pour protéger les leaders politiques. Est-ce à partir de ce moment où il a eu à faire des déclarations ici qui concordent avec celles faites par Claude Pivi, n'est-ce pas? Il est dans la vérité, il est en train de dire la vérité. C'est ça, non? Claude Pivi n'a pas la vérité. Ah, tout ce que Claude Pivi a dit aussi, ce n'est pas la vérité. Ok. Claude Pivi, Claude Pivi. Voilà, devant moi, avec le féciteur même, hein. Il fallait ne suivre ça, c'est quoi qu'on a tiré. Ils ont dit devant moi, avec le VG, d'aller chez Sekouba Konaté. Ah, parce que Sekouba Konaté était commandant de régiment à Dijon. Parce que Sekouba Konaté était le commandant du régiment à Dijon. Pour qu'il râle les bourrements. Pour qu'ils arrivent à s'accorder. Ah, qu'on a assemblé Fima pour arrêter le commandant Toumba. Pour que ce dernier leur donne la force pour arrêter. Je ne suis pas encore à ce niveau. Non. Maître, vous m'excusez quoi? Plein plus vite dans l'enfant. Non, d'accord. C'est pour ça qu'il n'a pas là-bas. Audition, oui. C'est pour cela, c'est pas ce qu'il a dit dans l'audition. Il n'a pas dit tout ça là. Et voilà, toi, maître, après, il n'a pas dit qu'on n'était pas d'accord pour ça. Après, à quel moment, selon, et nous, d'aller faire un complot, il a fait juste à lui-même, il a donné un autre courrier là. En asso. Grand quoi il a, pour que Grand quoi en a sa main. Conclu avec Denis, le féticheur l'a donné même de courrier à Grand quoi. Ah, avec Akin Yangamadi, avec Mahmoud Guilabogi, c'est pour ça qu'il n'a pas Mahmoud Guilabogi à part. Et reste à Begbe. Avec vous à Begbe. Monsieur Touré. C'est Touré. C'est, c'est bon. Suivez ce qu'il vous dit. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour vous rappeler tout ce qu'il a dit, mais ce qui concorde. Ce qui corrobore vos déclarations, c'est ce que j'ai relevé. Et si on se fait comprendre? Il a omis d'autres parties. C'est ce que je dis comme ça. Oui, je voudrais qu'on se comprenne. Il a dit d'autres choses. Moi, pour le moment, ce qu'il a eu à dire là ne m'intéresse pas. Hein? Sinon, ce que vous venez de dire, il a effectivement dit ça. Mais je ne vais pas revenir sur ça. On se comprend? Voilà. Donc, cela m'amène à vous poser la question suivante. Dès lors que le président Tadis s'est opposé à deux reprises, selon Claude Pivi, à l'arrestation de Toumba, au motif que c'est lui qui s'est rendu au stade pour sauver les leaders. Alors, à présent, tu dis que après Toumba se ressagna fini. Parlement a tendance à leader et sauver des stades. N'est-ce pas? Non, laissez-moi vous poser la question. N'est-ce pas la preuve que le président Dadis, en agissant ainsi, était lui-même convaincu de l'innocence de Toumba, même si par la suite il a ordonné à Makambo de procéder à son arrestation. Nana ki président Barlara Toumba tanyi ya yomun ne ya mahala mon patoso bila farara Makambo ba gaso hana fale bar na fala. Ma comprends. Ana na président Karera ba fi sanya kirin sanya firin
Pibira Tumba Suana Hadi, a transigar leader in Makantadi. Anna Ramara ne caprez ambassade, ma fafé Tumba Tangbe Yomuna Efeku. Ouais, à quoi l'on a dit, c'est pour ça qu'il a fallu la moutine. Ça veut dire qu'il est lui-même convaincu de l'innocence de Tumba, c'est ça, non? Après, on a dit qu'il y a une Tumba Tangbe Mayama. Oui, il sait. Oui, il sait. Très bien, très bien. Et je voudrais savoir à présent. Et d'abord, je voudrais une confirmation. Vous aviez dit, et ici, que M. Aboubakar Diakité Ditumba ne prenait jamais au sérieux vos révélations, ce que vous venez vous dire en termes de complot que le président Dadis et son entourage étaient en train de préparer contre lui. Il a rappelé à commandant Tumba. Il fallait yo fala et fait na ran kabou ka kambi et na complot na na ba fe en fa en a fala tembe atanya munu la manara amun la mara parce que président la fama parce que il ne prenait pas en cause parce qu'il aime le président. Il vous a même traité de menteur, c'est ça? En na fin de vous le falera. Ouais ouais, devant CC. Oui. Devant CC. Il vous a même donné, s'il vous plaît, excusez-moi, il vous a même donné un coup de pied. Aya wara borone. Ah, nous aussi, nous avons quoi? Nous avons fait la bande à Nanatoro. Donc, j'ai dit quelque chose, ça l'a fâché. Alors, on va le faire. Moi, c'est un escroc. Il m'a traité d'escroc. Aya Nava, c'est un peu la paix. Nous, c'est un Samarari. Nous, c'est après, il m'a laissé. Après, c'est les CC qui sont partis le prier après. Et dans ces conditions, qu'est-ce qui vous anime à venir dans ces procès et à mettre en nu les complots qui avait été formé contre Tumba, qui ne vous a jamais ménagé? Pourquoi? Il fait ça. Fait n'a rien ça, Tumba, un complot n'a rien ça, ou mais rafané ça, qui n'a pas dit, après ça dit son nom, à ta moufière, à mi masoara. Ah, n'aime, n'aime, il a qui le Tumba a fait un bon, moi je n'ai pas fait ça à cause de Tumba. Hein. Ah, Tumba, on est mon macrapi. Tumba n'est pas dans mon chemin. Et bah, Moussa Kalina en là-bas. Les présidents sont de serment qu'on a fait, on s'est juré. Avec le président Dadis. Avec le président Dadis. Quand ils ont tenté aussi de m'assassiner, c'est ce qui m'a poussé de venir dire parce la vérité. Parce que si je refusais de dire la vérité, parce que je connaissais là, ils vont me tuer après. Voilà. N'est-ce pas, c'est le souci de venir dire la vérité et toute la vérité qui vous a conduit à venir procéder aux révélations que vous êtes en train de faire. On a fait bête yo ramara fa fe non di fala non di bring nanan a nya riwun tu ira fa be ira fa c'est de yo araba. Ouais. Oui. Et pour éviter que des innocents soient condamnés. Ouais, moi j'évite le péché quoi. Ouais, moi j'évite le péché quoi. Très bien. Et d'après les mêmes déclarations que vous avez eu à faire ici, vous, il s'avère que vous avez connu tant bien que mal tous les accusés dans le box. Non, excepté Paul Mansa Gilavogui. Bah fait Paul Mansa Gilavogui là. Et donc vous n'avez pas cité le nom ici. Maintenant on attend le falabé, on attend quoi? Paul Mansa. Non, tu m'as dit quoi? Je le voyais. Mais pour l'affaire du 28 septembre. Pour l'affaire du 28 septembre. Fais n'a ton égé. Sauf si je l'accuse. Très bien. Pas bien au moins, madame. À mon avis. Okay. À mon avis, voilà. Il ne fait pas. Je vais juste comme savoir si vous maintenez que vous avez connu tant bien que mal tous les autres accusés. C'est non, ça. Non mais qui n'a pas été on se rencontrait au niveau du serré. Très bien. Alors c'est faisant. C'est faisant. Cette proximité que vous avez eue avec la presse totalité des accusés ne fait-elle pas de vous un témoin privilégié, un témoin idéal, un témoin parfait dans ces procès? Nana ki tanto ma korohuye bilina woné bilin sozo ese na ramuy finir c'est des la rire et fait
Ouais, parce que président Daris na kolonu nta na benu o lobby latal et na kolon ans amane la rampe a ransara pour faire du commandant Toumba a koto en quoi brise la même famane atidebe matement c'est joli tout il connaît c'est bon voilà très bien c'est pourquoi d'ailleurs la défense de Toumba va vous poser des questions et toutes les questions sur tous les aspects de ce procès que vous avez abordé ici. Maintenant, la Toumba a défense de mes caisses et femmes de Marouani Télébira. Marouani non est bien inarambé, ma sainte. Et ce, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité. Est-ce que vous vous rappelez que la défense de Dadis vous a posé des questions ici en vous faisant croire que vous auriez séjourné? Vous auriez été incarcéré trois fois par rapport à des affaires pénales à la maison centrale. Vous vous rappelez? Ah, ben, les hommes de Dazis Naga à Canary Mabé et Barel Khanissi, maison centrale, ça n'y a pas. Et Allah, est-ce que vous vous rappelez de ça? Est-ce que ce sont des questions de précision. Après, on va passer. Oui, je me rappelle. Très bien. Vous vous rappelez également que ces jours-là, il ne vous a remis que la copie d'une seule décision. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Il a parlé de trois affaires, mais il ne vous a montré que la copie d'une décision. On va parler de toutes les trois affaires. Et là, affaire ça reste que nous avons connu. Affaire Kering, Kiti, copie, Nana Massembe. Ouais, ouais. Très bien. C'est ils bon. Ont monté le chemin. Alors, en ce qui concerne les deux affaires, moi je les écarte parce qu'aucune décision n'a été brandie ici, n'a été produite ici par rapport aux deux autres affaires. On est d'accord? N'est-ce pas la preuve que ces deux autres affaires n'existent que dans l'imagination de la défense de Dadis? Oui, non, il y a monté. Très bien. Okay. Très bien. On continue. Par rapport à l'expédition, et nous en avons aussi reçu une copie. Il s'agit d'un jugement correctionnel, le jugement correctionnel numéro 710, et rendu le 21 juillet 2022. Je voudrais savoir, est-ce que, suite au prononcé de cette décision, votre avocat s'est-il fait le devoir, l'obligation de vous expliquer que vous venez d'être condamné à une amende de 2 millions au pénal et au paiement d'une somme de 100 millions comme intérêt civil, dommage et intérêt. Est-ce qu'il s'est fait l'obligation de vous donner ces informations? Est-ce que Yitora Ba, il est avocat, il est un avocat, il est un avocat, il est un avocat, il est million fina nga sa bele kama la il fait kana mi na ramel la mera sa million est ce que l'air tu na fala muni yam na fe fala non na même pas parler non madame madame maketa avocat na doki mettre ya c'est l'avocat de madame madame maketa bête comme ça que na fala ben na kul parce que lui même il m'a dit est-ce que s'il vous plaît on na veri kana radio quoi monsieur Touré voilà. Est-ce qu'il veut savoir si votre avocat vous a expliqué le contenu de cette décision? C'est bon. Tout le jugement s'est passé devant moi. Monsieur Touré, on avance. Alors, monsieur Touré, oui, maître. Est-ce que cette décision-là, avant que, qu'une copie ne vous soit remise ici, à la dernière audience, est-ce qu'un huissier de justice était venu vers vous pour vous notifier cette décision? Cela a été fait? Non. On attend encore. Est-ce qu'un huissier de Fana n'a rien qu'à dire? Non. Très bien. Répondez à mes questions. Suivez ma logique, s'il vous plaît.
Est-ce que le jour où on vous a remis cette décision-là, est-ce qu'on vous a fait état de ce qu'on appelle un certificat de non-appel et de non-opposition, comme pour vous dire que cette décision-là est devenue définitive, elle ne peut plus être attaquée? Est-ce que ce jour-là, nous, quand même, nous n'avons pas reçu, le tribunal ne l'a pas reçu, est-ce que vous, vous avez reçu ça? Est-ce que, et qui a dit sur le pays, il n'a pas un certificat de non-appel, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fait ça, qu'il y a des gens qui ont fait ça, est-ce qu'il n'a pas un certificat? Nous président un dossier vide. Ils ont dit que c'est un dossier vide. Après, il a un procureur qui m'a appelé dans son bureau. Il a dit que c'est un dossier vide. C'est comme ça que ça se passe. Le procureur est là, Dixine. Est-ce que votre avocat vous a informé de l'existence d'une voie de recours contre cette décision, comme pour vous dire que vous pouvez l'attaquer et que vous venez d'être condamné au paiement de 100 millions de francs guinéens à titre de dommages? Est-ce qu'il s'est acquitté de cette obligation? C'est lui qui est Une fois encore, Monsieur Touré, je voudrais savoir, est-ce qu'il vous a dit que vous avez une voie de recours ouverte contre cette décision? Est-ce qu'il a fallu ne pas? C'est ça. Du titre d'Angikambi, il n'a pas quitté que t'as pas rendu. A fallu faire, il m'ont tiré là, il n'a pas zaré ou il n'a quelqu'un qui va condamner, pourquoi il m'a engagé là? Est-ce que votre me libère aussi, Monsieur Touré? Oui, mais Monsieur le Président. Après cette décision, est-ce que votre conseil vous a dit que si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez exercer les voies de recours contre cette décision? Anara, dikiti dangi khambi. Est-ce que avocat falanebe? Khemu tinde kitima enoma kiti gote ma khelide. Ina ma voie de recours. Voie dangi yar. Ah, ege khambi ma kiti de avocat na falanebe. Asari tinga rema ma kiti gote ma khelira fala mudde ko rema. Mono marama ke ta ka. Ah. Ah, je copie mon gars Wendy. Non, copie une des femmes. Après, tu n'as pas gagné. Depuis qu'on a terminé, je les donne un peu d'argent. Moi, je suis parti à la maison. Très bien. Est-ce que vous savez que cette décision qui constitue une expédition, qui n'a jamais fait l'objet de signification, qui n'a jamais fait l'objet de la levée d'un certificat de non-appel et de non-opposition, et qui n'est donc pas reverti de la formule exécutoire, ne peut pas être considéré comme un titre exécutoire contre vous. Est-ce que vous le savez? Arrête, Colon. Il y a un arrêt qui. Moi, je suis étonné. Est-ce que, dans ces conditions, puisque rien ne prouve qu'une expédition n'est jamais un titre définitif, et puisque, en pareille circonstance, il n'y a pas de titre définitif contre vous, est-ce qu'on peut dire que les faits de diffamation et d'injure, alors, et pour lesquels vous êtes censé avoir été condamné ici, est-ce qu'on peut dire que ces faits-là, alors, sont déjà acquis et que vous ne bénéficiez pas encore de la présomption d'innocence? Est-ce que oui, maintenant, des noms à Falade, Tambesson, à Falafé, Ibara Miri, Berro, Ibara Kelikana.
Ati ki mon ambenu, procureur yate en déféré mané. Si je n'avais pas raison, le procureur allait me déférer. Parce que le procureur lui-même, quand il a vu de preuves, et moi, quoi, voyant la poursuivi et d'en craigner. Quand le procureur même a vu les preuves, ils n'ont pas voulu poursuivre le problème, ils ont dit de laisser. C'est bon. C'est bon. Voilà. Est-ce que vous savez que cette décision, elle date du 21 juillet 2022 mais pour ce qui est de la date de la délivrance de l'expédition, elle date du 26 décembre 2023. Vous le savez. Je vais tout simplement vous faire savoir que l'expédition de cette décision n'a été délivrée qu'à la date du 26 décembre 2023, soit plus d'un an après. Et au moment où vous apprêtez à venir témoigner ici, est-ce que vous comprenez cela? Ana kadi mum mini haranyere nye keren dangi gambi itam fa wa fa fe bidwer na era parce que di ñoya ba parce que moi ba chaque an na mun dagi rafala. C'est pour ça qu'il fait un faux montage et garabanna. Très bien. Et moi quoi mundona na mun dagi ngafa na fe fala bi. Donc ils ne veulent pas ce qui est entre nous comme secret que je dévoile ça ici. Voilà, parce qu'ils sont tout faits. C'est pas bon pour moi. Il a dit, il a passé par tout le monde. C'est bon. Très bien. Est-ce que vous savez que cette expédition-là, c'est votre avocat qui a eu à communiquer cela à la défense de Dadis et qui a eu à la produire? Est-ce que vous le savez? Arrête, pour les rameaux canangis qui a dit que Dadis sera défendu là. Alors que c'est pas vous qui lui avez demandé d'aller vous faire délivrer l'expédition, une copie de l'expédition. Moi, je paye une amende de 100 000 et que ce dernier ne me prend pas au coup. Ah, il a. Alors, dans ces conditions, pour quel intérêt, alors, votre avocat s'est-il permis de délivrer, de remettre, disons, une copie de cette expédition à l'avocat de Dadis ? Pour que celui-ci vienne s'en servir contre vous. Pour quel intérêt? J'en ai terminé avec cette expédition qui est à l'état brut et dont on ne peut rien tirer pour le moment. Et est-ce que vous vous rappelez des questions qui ont été posées ici par les défenses de Tchegoro, de Blaise Gomou et de Kalonjo, et à travers lesquelles on vous demande d'administrer la preuve de vos déclarations? Est-ce que vous vous rappelez leur conseil? Est-ce que Ira Touré, Raboka et Marouarié n'arrivent pas à l'Ira? Ah, je le comprends. Et apporter la preuve de vos déclarations. Le président, c'est Ira Kalino à la Tagui. Non, le président est là. Monsieur Touré. L'interprète, vous allez beaucoup nous aider dans ce sens. Est-ce que vous savez
que les conseils des accusés qui viennent citer ont dit ici que vous devez rapporter la preuve de vos déclarations. C'est ça. Est-ce qu'un colon matin Très bien, on passe. Mais est-ce que vous vous rappelez que le premier jour où vous avez comparu ici, monsieur le président a pris soin de vous rappeler quelle est votre mission en tant que témoin, en vous disant que vous devez déclarer ici ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Vous vous rappelez de ça aussi? Arrête, Colon. Il y a un signe de l'OAB. Président, vous faites un peu de temps. Il te fait un peu de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a Oui. Très bien. Est-ce que vous êtes donc d'accord avec moi? Vous convenez avec moi que de telles questions qui vous sont adressées pour vous demander de prouver ce que vous dites, ce sont des questions qu'on ne devrait pas vous poser. Puisque votre mission ne consiste pas à prouver quoi que ce soit ici. Vous n'êtes pas parti dans ces procès. Vous le savez? Oui. Très bien. Dans ces conditions, vous êtes d'accord également avec moi que les déclarations que vous faites ici, ces déclarations-là sont considérées comme des éléments de preuve qui sont souverainement appréciés par ce tribunal criminel suivant son intime conviction. Est-ce que vous le comprenez? Ah, la couille, que le maçonnier n'a rien fait la mabé, ne venez pas se donner au yan anna. Qu'on a tribunal le bé, arasara kima, à fond de Berera. Oui, très bien. Vous voyez que on a eu à vous poser ces questions-là parce que tout simplement vos déclarations sont embrassantes pour ces défenses. Ah, et nous, ma gorille est télérénée à passer finara, ma gorille est narrée d'un tour qui va. Très bien. On va continuer. Parlons à présent du pacte scellé entre Tadis, Ousmane Conte et d'autres. Vous avez parlé d'un pacte scellé entre Tadis, Ousmane Conte et d'autres personnes, et vous-même visant à faire en sorte que Ousmane Conte puisse succéder à son feu père général Lansana Conte. Vous le maintenez? Dadis Ousmane Conte webin sa wara kan netan yatina nan ku alako ha lan sana konta muna hadi Ousmane Conte gado wa fo est ce membre bile na ma sey sente falatida. Oui, très bien. Et vous pouvez, si vous le pouvez, vous pouvez rappeler quelques noms de ceux qui étaient liés par ces pactes. Akay no mam bin de khil falade na khay rek kadi. Ma patron Ousmane Conte. Mon patron Ousmane Conte. Avec général Baylo. Général Baylo. Avec chef d'état-major adjoint général Alphan Camara. Chef d'état-major adjoint général Alphan Camara. À nous, colonel Kandé Touré, directeur de cabinet au ministère de la Défense. Colonel Kandé Touré, directeur de cabinet du ministère de la Défense. À nous, Fode Souma, vice-gouverneur de la Banque centrale et puis encore parrain du pays. Vice-président de la Banque centrale, vice-président PIP. Avec Aboubakar Sompare, en président assemblée. Président Aboubakar Sompare, président de l'Assemblée. Khaya Kouta Oulari. Khaya Kouta Oulari. Anou Sourel gouverneur. Sourel le gouverneur. Anou Monsieur Koulibaly. Avec Monsieur Koulibaly. Très bien. Voilà. Voilà. Ok, donc, confirmez-vous également que ce pacte a été scellé devant un fétisseur du Sao-Guinée au moins d'une prestation de serment. Nana, on a rabâché une autre calerie, féticheur dans le pays, bisagos dans le Naranya. Oui. 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 Confirmez-vous aussi que ces jours, ces féticheurs, puisqu'il avait éliminé
une première personne, parce que selon sa vision divinatoire, ce dernier n'avait pas longue vie. Il vous a appelé, il vous a constitué comme témoin de ses serments. Et il vous a dit qu'au cas où ces serments seraient violés, que vous avez une mission de venir témoigner devant l'histoire. Et d'accord. Nalaway. Utofa, vous faites cher. Anara birin de rag bilin, atamato mabar natto, ara ara fun ara gahdida, anana simamara. Anara fait tanna etanga ba fin bisere nyoyara etagi. Ouais. Anara logone khe. Kha fen den de sabira etanga fa irafa ira irafa afana. Ouais, afala kibonge nan ba simamara. Ise kibonge ise ndire ente. Afala afala ntambanga so antanno ma gifi vekidi. Amen. Il a dit, ouais, toi je peux témoigner, mais le jour où ça va se dépasser, toi tu viendras témoigner. À Dax, est-ce que ce serment a été violé, oui ou non, par le président? Est-ce que tu auras Kali ou on a Kali Binyane? Non, Binya. Non, ça n'a pas été violé. Il y a eu des trahisons dedans. Voilà, c'est ça la violation. N'est-ce pas la raison pour laquelle vous êtes ici pour témoigner? Nana Anya Rifar Bétoura va témoigner. Oui. Très bien. Vous avez également déclaré ici, je vous rappelle, et je voudrais avoir votre confirmation, que le président Dadis et son entourage, y compris Tchegoro et autres, alors. Et considérez messieurs Alpha Condé, Sékouba Diakité, Aboubakar, Sékouba Konaté Dijon et Aboubakar Diakité Ditoumba comme étant des obstacles pour leur pouvoir et qui devraient être éliminés. Monsieur le président Dadis Anou Ahamere, quel fait Sékouba Ma, à commandant Toumbali, Amere Nanare, Nare Matoura, Mire Nare Findiri. Carrière et ra mangaya qui est wa mena et rani refitan mena na gere fara. Ouais, il faut le temps avant que 28 septembre en installé. Ouais, ils ont commencé par ça avant l'installation du 28 septembre même. OK, merci. On continue. À propos de cela, vous avez déclaré ici que l'accident d'avion dont ce monsieur Sékouba Konaté a été victime n'était pas un fait fortuit. Que ça faisait bel et bien partie de ces plans d'élimination. Vous le maintenez? Asekouba collecte accident d'avion à Mounana qui est tout en ira plan Yama. Et là, oui, j'ai entendu ça de Gono Sangari. Devant le président de la République. Devant le président de la République. Très bien. Vous avez aussi déclaré que M. Alpha Condé devrait lui aussi être éliminé. Monsieur Alpha Condé, selon le même plan machiavélique, s'il se rendait au stade du 28 septembre, à cette date. Le 28 septembre 2009, à l'occasion de la manifestation qui était proche. Et ma fille à l'engagement en 2009, manifestation n'a pas la fin de la malade à Alpha Condé. Non, fais chuter à l'enfant à la présidente. Ah, c'est le petit cher qui a dit ça au président. Normalement, il n'a pas attention à ce qu'il a présent à Alpha Condé dans la femme. Et fait, mais on kata ou à Wonga Fara, à la tala, mais il y a un fils à ma côté à l'engagement. C'est le féticheur qui a dit, si tu dis de faire la transition, voilà. C'est Alpha Condé qui viendra. Après, mais on peut le tuer. À ce que le pouvoir que Dieu l'a donné soit transféré à vous. Et par la masse, comme leader des services Starman, c'est Starman et Rafara. Très bien, donc, on dit la même chose. Donc, c'est leur conclusion. Merci. Comme les leaders vont au stade, s'il arrivait là-bas de le tuer. Alors, c'est quand tous ces plans-là ont échoué que M. Dadis a fait venir un magicien indien et des fétisseurs de Guillaume Soro. Nanara, Nabilindangi, Rambi, Dadis, Narafa. Magicien indien, nous Guillaume Soro a fait t-shirt. Et un magicien indien, c'est un comment ils ont fait venir? Est-ce que tous ceux-ci sont venus? Est-ce que nous avons fait une fanée? Même une fanée de Kering. Ils ne sont pas venus au même moment. Très bien. Alors, et à propos du magicien indien, je crois que c'est lui qui est venu le premier, non? Ouais. Le magicien indien, c'est un signe fanée. Oui. Vous avez déclaré ici que ce dernier, à travers un miroir, a fait voir l'image de M. Aboubakar Diakité Ditoumba
Et il a dit que lui, il ne peut pas tuer Toumba, que si jamais il s'hasardait à le tuer, qu'il va perdre tout son pouvoir, parce qu'aucune de ses actions ne serait désormais exaucée par Dieu. Vous le maintenez? Vous ne savez même pas comment vous l'avez dit. Quand il a fait sortir, il a là un rapport direct. Lui, il est en connivence directe avec le bon Dieu. Il parle avec Dieu, il s'échange. Et que lui ne peut pas le tuer. Il n'a pas cette puissance. S'il ose aussi, la force qu'il a, il va le faire tomber. Devant le président de la République. Tout le monde est tapis, lui-même est tapis. Très bien. Et s'agissant des fétisseurs de Guillaume Soro, je peux me tromper, hein, vous. Vous me rectifiez, hein, à chaque fois que je me trompe. Je vous attribue des propos que vous n'avez pas tenus. Vous avez déclaré que ces fétisseurs n'ont pas non plus et réussi à éliminer M. Abouakar Diakité dit Toumba sur le plan mystique. D'abord, ce fut 25 fétisseurs qui ont échoué, ensuite 14 fétisseurs qui ont échoué, et enfin leur maître qui a aussi lamentablement échoué. Vous le confirmez? Oui. C'est là-bas où Dadis a demandé de voir le diable. C'est bon. Voilà. Et je voudrais donc poser la question suivante. Dès lors que M. Moussa Dadis, Camara et son entourage se sont comportés ainsi, n'est-ce pas la preuve que M. Moussa Dadis et son entourage ont formé des complots contre Sékouba Konaté, Alpha Condé et Abouakar Diakité dit Toumba qui ont heureusement échoué? Ah, Moussa Dadis non arabidi ton araba nananaki et complot et par complot ya là Sékouba anon Toumba contre Koné Mouno. Oui. Très bien. Alors, est-ce que vous avez suivi ici la défense d'Adis et sa défense? Et soutenir que les trois dont je viens de donner les noms, que ces trois-là voudraient mettre à exécution des complots contre sa personne. Vous vous rappelez de cela? Ah, ben là, tout le monde suit ce procès. Il n'avait pas fait faire anaki. Citez les noms, s'il vous plaît. Sékouba Konaté. Toumba. Anira Groupo. Atamba. Dadis Rabokinara. Anéfan Wama Komplo Nana Bafi. Dadis Allah Akbar. Sékouba Konaté a tout le temps. Hein? Sékouba Konaté. Je n'ai pas Sékouba Konaté. Amoulou Mabelagati, des Mayati. Il ne me connaît pas, il ne peut pas m'indexer. Mais l'organisation, oui, c'est dans l'organisation, dans ce serré-là. Ils ont parlé de l'assassinat de Sékouba Konaté. C'est innocent. Très bien. Donc, au regard de ces révélations que vous avez toujours faites et que vous venez de confirmer, je vous pose la question suivante. Entre Dadis et son entourage, d'une part, Monsieur Sékouba Konaté, Alpha Condé et Abouakar Diakité dit Toumba d'autre part, alors vous pouvez nous dire qui peut-on traiter de comploteur contre qui? Il a fallu bien Ngambi. Dadis, Anara Bilini, Sékouba Konaté, Toumba, Anon Alpha Condé, Ira Gopo, Dufilini, nous n'avons pas fallu de complot là-bas. Moi, je suis le président d'Adis. Très bien. Parce que c'est pour lui que je connais. Voilà.
la stratégie de défense fondée sur la théorie du complot tombe d'elle-même. Je continue. Parlons à présent de la présence du président. Qu'est-ce que vous voulez, Amadou Kana? Qu'est-ce que vous voulez? Il veut de l'eau. L'eau, quoi. Vous pouvez boire. Allez-y. Si vous voulez boire. Est-ce que vous pouvez continuer? On peut continuer, monsieur le président. Allez-y maintenant. Merci, monsieur le président. Vous avez déclaré ici que le président Dadis a donné l'ordre à Feu Bégré à l'effet de se rendre au stade. Il n'a pas le président Dadis Bégré à Farané Bégré à Kaska Stade. Bégré à Morina à Kaska Stade. Ah, il y a Morina, maman, Fadé, ça me rifera. Il a dit de partir, mais il n'a pas dit d'aller tuer. Il a dit que je comprends ça. Laissez-moi finir de poser ma question. D'accord, monsieur l'avocat. Vous le confirmez, oui ou non, il lui a donné l'ordre de se rendre au stade. Est-ce qu'il m'a dit à Farana à stade? Oui. Oui. Très bien. Est-ce que vous vous rappelez qu'il lui a demandé d'aller au stade pour pouvoir accuser Toumba de ce qui s'est passé au stade? Non. Ok, je continue. Et vous avez également déclaré ici, je voudrais savoir si vous le confirmez, que le président Dadis s'était rendu à Marocana en compagnie d'un féticheur. Vous le maintenez? Le président Dadis s'est rendu à Marocana en féticheur. Oui. 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 Et lequel, vous pouvez nous parler de ces féticheurs? Non, là comment qu'il y a là. Comment je les suis? La minière Meni. À la minière là-bas. Et ils ont appelé où à la position du président? Ils ont appelé où est la position du président? Et papa, le président est sorti avec le féticheur, il est parti à Marocana. Le président est sorti avec le féticheur, il est parti à Marocana. Après, à Marocana. Il a demandé à quoi, où est la position du commandant Toumba? Il a demandé où est la position du commandant Toumba. À Toumba, il a mené avec un civil. Hein? Toumba est sorti avec un civil. Et Dadis Fendé stade. Ils sont dans le même véhicule, dans un véhicule, ils viennent chercher Dadis au stade. Après, Blaise Gomina, bien joué, nous, il faut bouger. Vous, à quoi ça va? Mais le même. Et toi, voilà, après, commandant Toumba a mené avec un civil. Quand ils ont dit que commandant Toumba est sorti avec un civil, qui sont venus sortir à deux. Soit il y en a information, tant que Mouna sort en politique. Le militaire qui a donné l'information là, je le connais. Parce que le téléphone est au parleur. Et bien, non, mais Blaise Gomina. Parce que le téléphone est à deux parleurs, ils étaient tous là-bas, les Blaise Gomou. Après, même moi, comme il est anglais. Parce que je ne sais pas qui a. Et bien, ça, commandant Toumba, femme, là, pas visiter, ma président fini. Que commandant Toumba vienne là-bas, il vient chercher le président. Voilà, non, mais n'est qu'il y a. Après, Blaise. Et France, donc les Blaise, ils ont demandé aux France maintenant. Là où vous avez appris cette information, c'était où précisément? Il a sendé dit que il a dit que Wali sortait de la rande. Minde yati na rafale de la rande. Allô, si dia allô Kradin de la nance ou si dia Wen Krama. Bon, c'est comme il y a un chemin qui rentre vers ce je dis. Ah, akolo na crane ya. IFD Gera Malay Indinana, Irabama Sanda Buntindena, allo magasin d'Ari, allo magasin d'Ari quoi. IFD Gera Pati. IFD Gera, ils se réunissent quelque part là, c'est comme un hangar, comme il y a un magasin là. Oh, il a tourné un bon, il va se jeter. C'est là-bas où vous tournez pour aller à jeter. Ah, et Moussana Malay là-bas maintenant. Nous avons fait la réunion là-bas. Et est-ce que vous savez ce que Dadis et ses fétisseurs avaient fait ces jours-là à Marocana? Ah, il y a un colon d'Adis, il y a un féticheur, il y a un Marocana. Non, moi, non, je ne connais pas. Non, j'ai appris l'information. Le même jour, le 28 septembre 2009,
Est-ce que vous étiez là lorsque Dadi sortait de sa maison, de sa chambre? Est-ce que vous étiez là? 28 septembre, Dadi sortait de Minifa à Kouanyoukoui. Est-ce que nous n'en avons? Non, non, je n'étais pas là. Comment avez-vous appris que Dadis était sorti avec son cortège? Et comme on dit, Dadis n'a pas un cortège dans le miné. Et appel là-bas, Nyawon. Ils ont fait appel devant moi. Grand-co. Anna Mamoudou Guilabougui Nyamoula va au stade. Il a donné l'ordre à Mamoudou Guilabougui d'aller au stade. Après, attends, là, t'es tout. Lui, il a remonté. Alors, l'information n'a même pas. C'est là-bas où j'ai appris. Et vous avez su par. Quelle porte il était sorti? Est-ce que c'est par la porte de la rentrée normale ou c'était à travers l'issue de secours? Anaka ara colonel roi amini nade na na amini nade kumbe na ne minima nade na na ka mini purende na na non mini na ngali sur la personne qu'on a appelé nanaka ntanso madendere là que la personne dit que là où moi je rentre. Après, il a que le président est sorti par là-bas, il a pris le véhicule de partout. En ce moment, le commandant de son salon. En ce moment, que son commandant de salon. N'a empêché. Lui, il avait empêché. Il a dit à ses entourages de venir de ce côté là. Oh, le commandant salon m'a mené. N'a pas information claire fille qu'au plan piviment. C'est là-bas, il a dit, ça dit de le commandant du salon. C'est lui qui a donné l'information claire à Claude Pivi. Donc moi je l'ai entendu à l'eau-parleur. Il ne s'adressait pas à moi. Hein. Moi je l'ai entendu comme ça. Très bien. Je ne me dirai pas à moi. Très bien. Et est-ce que vous avez connu Fromo? Alors Fromo Colomb. Sur mes 200 de ma maman. Un Fromo tout long qui n'a pas fait de mes. Je n'ai vu Fromo un seul jour. Ah, tu t'as des gens sur vous. Le petit chef de Guillaume Soro. En Ébira Amadi, pour récupérer le pouvoir et Ébira sacrifié. Que tous ceux qui l'ont aidé pour récupérer le pouvoir de les sacrifier tous. Ah, côté à pouvoir Amad Bamban. Pour asseoir bien son pouvoir. Voilà. Non, c'est bon. Hein. Si vous avez connu Fromo. Fromo Colo. Vous l'avez connu, oui ou non? Fromo Colo. Sous l'honneur devant Dieu, monsieur le avocat. Très bien. Ok. Merci. On continue. Vous avez également parlé de la présence des féticheurs chez Gono Sangaré. Et là, le féticheur est ravi par Gono Sangaré Fangoué. Voilà. Oui. Oui. Vous le confirmez? Imam Barana Fancel de Parati. Oui. Et Nawaine. Très bien. Et vous avez même rappelé que le président Dadis avait effectué un rituel qui a consisté à se laver avec du sang humain. Vous le maintenez aussi? A besoin d'Adis Vende Nabana, Yannara Mahamir, vous lirez Yahori, Arebar Nafansé de Valais. Ah, à côté de Nineto. Bon, ça c'était pour voir le diable. Et ce rituel a eu lieu au domicile de Gono Sangaré ou c'était en Bousse? Naké Walidaba Gono Sangaré, non, Karaba Oulanangu. Non, Araba Oulanangu, à quoi porter d'Indina, Gono Sangaré. Ok. Voilà, à Krana Mabilin quoi. Bon, il a contourné quoi. Ok. La route. Vous pouvez dire au tribunal quels sont ceux qui étaient présents à ces rituels, qui ont assisté à ces rituels. De la Nakiawali. Donc, maître. Parce que nous sommes venus les premiers maîtres. Président Montandinena. Le président nous a trouvé. Parce que nous avons dit que le commandant Tumbarantantou Yama. Parce qu'il n'accepte pas que le commandant Toumba me voit moi. Est-ce que vous pouvez citer ceux qui étaient là-bas? Non, celui que j'ai vu, moi, ce sauf Golo Sangari. Ce qui s'est passé derrière là-bas, je n'ai pas vu ça. Et je crois avant d'aller dans la brousse, vous avez commencé par le domicile de M. Gono Sangaré. Oui ou non? Nous sommes bénis chez Gono Sangaré. Oui, suivez-moi, s'il vous plaît. Lorsque vous êtes arrivé sur Gono Sangaré, alors, vous avez constaté la présence des féticheurs en ces lieux, oui ou non? Il faut voir Gono Sangaré. Il féticheur est tourné dans la caille et tout.
Donc nous sommes venus avec les féticheurs. Avec Agono Sangari. Avec Agono Sangari. Le président lui il est parti du c'est bon. D'où vous êtes venus avec les féticheurs? Où les féticheurs sont quels mindé wofa? Mon départ tongo flo Kalfaya. C'est à Kalfaya on a fait le départ. Nous t'en Agono Sangari va autour. C'est bon. On pouvait estimer leur nombre à combien? Félicitez. Ah. Ha, les bonnes. Ils étaient nombreux. Mon homme a un nombre. Tu aimais Sarah, tu aimais. Non, moi qui aimais l'île. Non, ça ne fait pas ça. Mais une beau. Mais ils étaient nombreux. Et après, bon, d'abord, comment ils étaient armés hein, portaient-ils leur machette? Et nous n'a dit, il y a des choses modèles, mon Dieu, il y a un banan, il y a un ils avaient des armes. Il y a des choses à tout. Les armes là. Il a fallu faire quoi? Ils ont fabriqué. Il a fallu marabout d'Halloween. Un million sur quoi? Quand ils font bon, ils ont travaillé ça de telle sorte que quand on donne, on poignarde quelqu'un, il va mourir. Mais Amoulouwa le saura finir quoi? Yat yat. Mais ce n'est pas comme les fusils militaires exactement. Et là, mon corps est côté n'importe. Bon, ça c'était des fusils occultes ça. Voilà. Et n'a fait encore. N'a tourné là. Serenement, bon, il y a des herbes comme même si tu as une distance, non, mais tirer les bouivres. Même si à distance, on peut tirer. N'attendez, non, à un moment, n'attendez pas le commandant Tumbara, mais maintenant. Non, c'est l'armement là qu'ils ont braqué contre le commandant. Avec 25 personnes, hein. Avec 27 personnes. Non, non, c'est bon. Et est-ce qu'ils portaient des bandeaux rouges? Ah, t'as vu que Béry n'est pas. Il y a un pari, non, il y a ici. Bon, ils sont venus. Mon nom, voilà. Des choses. Ah bon? C'est trop. Vous avez eu affaire également des déclarations dont je voudrais obtenir la confirmation. Selon lesquelles les corps des manifestants ont été utilisés par les pétisseurs. Anaka ebo ase inde falabe awa me rakbile nama falafe manifeste fure era walikhine alo e falaka kine rabbe president na professeur inere le féticheur ont dit en fagati quand ils vont tuer era faibuna ra ko gbegbere goma les envoyer beaucoup de corps humains era wolama qui vont travailler sur les corps. Ah non, mon président va pouvoir renforcer les. Et c'est ce qui va renforcer le pouvoir. Et puis officiers défendants. Avec des officiers aussi. Et René Famba, c'est le de les sacrifier bon. Aussi. Voilà. Monsieur le président, pour le moment, je vous remercie. Et j'en ai terminé. Merci, monsieur Joly. Merci, maître. C'est bon, monsieur le président, nous avons fini. Partie civile. Je vous remercie, monsieur le président. Je crois qu'à la suite de Maître Silla, nous n'aurons pas beaucoup de questions. D'abord, pour commencer, Monsieur Touré. Oui, Maître. À l'entame des questionnaires de la défense, certains avocats ont tenté de vous décrédibiliser à cette barre, n'est-ce pas? Oui, Maître. Avocat Ndéna, ne wane raibouna dama yama soro. Oui. On a parlé de non-paiement de loyer. L'affaire de la fonction publique. Fonction publique affaire. De condamnation. Il a condamnation. Des années judiciaires, n'est-ce pas? Est-ce que ces éléments-là concernent votre témoignage ici? Est-ce qu'il a fait nous ira c'est des babes et lié et beaucoup est mort? Non, il y a milieu. Est-ce que cela concerne le 28 septembre? Est-ce que le 28 septembre fait c'est loin. N'est-ce pas un autre moyen de vous empêcher de tenir votre témoignage ici? Oui. Est-ce que cela ne s'inscrit pas dans la dans l'étroite ligne de la corruption qu'on a tenté de vous infliger? Non, étonne-toi, mais corrompu. Est-ce que Bill Muska qui l'a créé? Est-ce que à un moment donné, l'équipe le capitaine Dadis n'a pas tenté de vous tuer. Est-ce que le capitaine Dadis a mis oui. Oui. Alors,
si vous avez eu le courage de venir témoigner à cette barre, une grandeur d'âme de votre part. Inutilement comme ça, les gens ne sont pas. Bon, moi je veux qu'on n'arrive pas à condamner des innocents inutilement qui ne font pas partie. Ensuite, certains ont réfuté l'idée selon laquelle vous étiez en contact avec ceux qui sont dans le box des accusés. Est-ce que vous comprenez cette démarche? Traduction. Reprenez. Voilà, merci monsieur le président. En termes simples, ils ont contesté les relations que vous avez entretenues avec le capitaine Dadis et les autres accusés. Oui. Oui. Est-ce que vous comprenez cette démarche? Est-ce que na kolon enara ba fe fina kam? Enara ba fe na pour me bloquer seulement. Ça c'est le fond pour me bloquer seulement. Moi, maintenant, quoi, nga fabi? Parce qu'ils ne voulaient pas que j'arrive. Parce qu'ils ont tout fait. Parce qu'ils ont tout fait. Et dans ma famille, purement. Ils ont passé par toute ma famille. Très bien. Pour pas que j'arrive ici. Si cela était faux, comment alors un civil comme vous aurait été logé au camp si vous n'entretenez pas de rapport avec eux? Et un civil modèle, Moussare, et c'est un guigui à ma camque. Et n'a pas fait une affaire, ma, à quoi, n'est mali, à quoi, commandant Toumba Fara. Donc, ils ont fait tout ça là pour que je les aide à tuer le commandant Toumba. D'accord. Maintenant, on va aller plus vite, puisque c'est bientôt l'heure de la pause. On va aller aux événements du 28 septembre, très rapidement. On va au 28 septembre. Et alors, vous avez parlé des recrues de Kalea. Est-ce que la veille du massacre, est-ce que vous avez remarqué la présence de ces recrues-là au camp? Anara, Ibarra, recrues de Kalea, Rafifala. Alors, Kouye, na chante ma kore. Quel fait 27 mars, il y a un d'or ni Rafifoma, Kankoui. Ouais, président, Erosine, Kegon n'a bâtiment n'a rancui. On les a logés, oui. Ils ont logé où? Le bâtiment qui abritait Kegoro. Kegon n'a pas. Et toi, Ramini? Quand ils ont l'a fait sortir. Après, n'a pas. Begbelosimeni. Ils ont envoyé beaucoup de personnes, ils ont logé. Mais ils m'ont envoyé le calfa. N'importe quel vous demandez à calfa. Et maintenant, ouais, soit Ramon a mental, les civils n'en a même. Ils disent, ah, et là-bas, c'est pas les militaires, très c'est bien. Les civils. Est-ce que vous savez que cela confirme les déclarations qui ont déjà été tenues à cette barre, notamment par Toumba Diakité lui-même? Est-ce que Ibarra Touna m'a signé Fafine a fait Toumba Rama signé Saint-Saint-Falatibé? Allo Toumba Naram Falabé? Moi je ne suis pas les déclarations de commandant Toumba. Ce que moi je dis, c'est ce que j'ai dit. Dites-moi, qui s'occupait de ces recrues au camp? Nous avons recruté Rome. Kalia. Kankui. Kalia Ka. À Kalia. Les recrues qui étaient au camp. Na recule na refa camp ndé yoron sarero. Non, Gono Sangaré, attendez dégé ma. Très bien. Et qui était Gono Sangaré par rapport au président Dadis? Gono Sangaré dara président Dadis be. Nté tonara, né dina. Moi je les ai vus ensemble. Alors, moi je vous informe que c'était l'intendant du président de la République. Aden nana kankolo. Oui, ça je savais quand même. Est-ce que vous savez que les ressources qui ont été mises à la disposition de Gono Sangaré étaient les ressources du président Dadis? Dans ces conditions, oui. Oui, oui, attendez, non, mais comme le intendant n'a pas dans ces conditions, est-ce que ce n'est pas le président Dadis qui entretenait indirectement ses recrues au camp? Anakui, est-ce que le président Dadis Ramoun Yorosar n'a recruté au Rome? Oui, oui. Oui, oui. Si maintenant ces recrues-là sont partis au stade commettre ces atrocités, à qui on doit demander des comptes? On a reculé Kélienas stade maintenant ça massive là-bas. N'a rien demandé. Président de la République. Président de la République. Merci, merci pour cette confirmation. On va venir au niveau de colonel Claude Pivy. Vous avez dit à cette barre que Claude Pivy avait une prison. Est-ce que vous réitérez ces propos? Que Claude Pivy a avait une prison au camp. Une prison. Une prison. Derrière son bureau. Vous confirmez également des propos qui ont été tenus à cette barre. Maintenant, on va aller plus vite. Est-ce que vous avez connaissance de l'existence d'une prison aussi chez le colonel Tchéboro? Oui, continuez, Nara. C'est tout le monde connaît ça. Continuez, c'est là-bas, il faisait rentrer les gens. Est-ce que vous confirmez à cette barre
que devant les locaux du président du colonel Thieboro, il y existait un conteneur. Ara mambara a senzem valati a vala fe colonel Thieboro a biro a roya a lingira ya chaga conteneur no doona. Wa nous ka mana. Moi je partais là-bas. Am to ska na ma kolon star ba ba ba. Ma ko abuka ndira sa giri ba na. Non, j'étais parti là-bas après ça. Je ne sais pas si c'est un avocat qui l'avait emprisonné comme ça. Est-ce que des personnes étaient pouvaient être détenues dans ce conteneur? Est-ce que numéro ça mana conteneur ku? Anasama. Il était là-bas. Merci pour votre précision. Alors, selon vous, pour terminer, qui est le commanditaire des massacres du 28 septembre? Président de la République. Président de la République. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. On est terminé. L'audience est suspendue.